Et salut tout le monde, c'est Panix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est bien entendu sur Titanfall. Vous pouvez remarquer un petit rush qui fait plaisir au tout début de cette map sur, je crois qu'elle s'appelle Aenexus, si j'ai une bonne mémoire. Et j'adore cette map tout simplement. Je trouve qu'elle est super au niveau déplacement, etc. C'est une game plus récente en plus, parce que je crois que vous avez donné des game assez vieille quand même. Enfin, je sais pas, en tout cas, j'étais Prestige 5, level 49, et je viens de passer aujourd'hui en ce dimanche, je ne sais quel avril, 10 avril, peut-être, Prestige 6, après avoir fini des défis des kills d'éjection sur les pilotes qui s'éjectent tout simplement d'un titan. Et donc c'est un gameplay en CTF, vous avez pu voir un magnifique drapeau ramené en même pas une minute. Non, je sais pas combien exactement de temps, je crois que c'est 5 minutes 30, 7 minutes 30 une game, donc ça aurait été 1 minute 30, donc c'est pas si rapide que ça, mais voilà, c'est pour montrer un petit peu les déplacements qu'on peut avoir qui peuvent être rapides, etc. Et c'est une partie en fait où ça va être un total massacre, c'est-à-dire quoi. De mon côté, ça va être un très gros massacre. Je vais jouer pas mal objectif et je vais pas toucher au titan. Enfin, si je vais y toucher, je pense peut-être quelques secondes, mais franchement, je joue pas beaucoup au titan comparé à d'autres gameplays. Ça permet d'avoir un très beau score à la fin qui est assez, disons, mérité d'une certaine façon. Ensuite, j'avais pas mal de choses à vous parler aujourd'hui, parce que vous êtes peut-être au courant, mais la mise à jour qu'on attendait tous pour l'e-sport, tout simplement, c'était la mise à jour des parties privées. Alors, j'ai pas eu le temps de tuer ce gars avant qu'il ramène le drapeau, mais bon, c'est pas grave. Elle est sortie. Donc, en fait, il y a des parties privées, bravo, c'est bien. Mais on peut pas encore changer toutes les options, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. On sait pas quel niveau de personnalisation ils vont mettre. Ils ont été assez. Sur les annonces, j'ai trouvé qu'ils étaient assez excités à propos de ça. Donc je pense que ça va être quand même pas mal. Je pense que ça va être bien foutu. J'espère que ce sera pas comme un ghost. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a les parties privées. Et on peut commencer à scrim avec les règles de base. Ce qui est toujours pas mal. J'ai pu faire un scrim, vraiment pas grand chose. En plus, comme je venais de passer de prestige, j'avais pas grand chose et bon, j'étais pas mal. Voilà, c'était pas trop mal, c'était sympa, mais c'était du 4 contre 4, etc. Je pense que ce serait plus intéressant en 5 contre 5, mais même en 4 contre 4, il y a de quoi de faire pas mal de kills, etc. Franchement, je pense que ça va être intéressant. Ce Titanfall eSport, en tout cas, j'en attends beaucoup. Ensuite, ils ont précisé qu'ils allaient faire ces modifications très rapidement. Attendez, vous voyez que je ramène le drapeau in extremis. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser l'électrofumigène comme fumigène, vraiment. Enfin, ouais, trop fumigène. Mais franchement, ça peut permettre de faire des couvertures quand vous cassez en titan ou quand vous avez besoin de rentrer dans un point, etc. C'est franchement pratique. C'était le petit conseil. Je crois que vous allez me voir galérer à essayer de tuer ce gars. Non, pas du tout. J'ai du mal à rentrer dans ce bâtiment par la fenêtre qui est en haut, enfin bref. Ensuite, ils ont annoncé aujourd'hui beaucoup de choses. Donc, faut que je vérifie, parce que maintenant j'ai un doute. Mais ils ont annoncé des choses à propos de l'e-sport. Je vais vérifier ça tout de suite, je fais ça en pleine vidéo, c'est pas du tout professionnel du tout. Ils ont annoncé pas mal de choses au niveau e-sport, et d'ailleurs, si vous ne followez pas TF e-sport, la plateforme française pour l'e-sport, ce serait une bonne idée de le faire. Alors, ils ont annoncé que pendant la PAX, voilà, avec le temps. Donc ils ont annoncé pendant la PAX qu'ils allaient sortir un mode spectateur. Je sais pas s'ils veulent faire une sorte de code casting. Je pense que ce sera un peu trop de boulot pour qu'ils le fassent, mais ils ont annoncé donc effectivement ce mode spectateur, donc il y aura bien des streams qui seront possibles à être faits, quoi. Et je sais pas comment, parce que pour ça en fait, quand on lance la partie privée, on est directement en tant que joueur, on est lancé, même avec
votre classe que vous utilisez d'habitude, il vous lance comme ça et puis vous pouvez pas choisir. Donc on a eu un joiner tout à l'heure qu'on a joué d'ailleurs, c'était un peu dérangeant. Ils ont parlé aussi du nouveau DLC ainsi que des personnalisations de titans pour changer. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est tous les modes de jeu. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter des modes de jeu dans le futur. Alors il y a le 2v2 titan qui m'intéresse pas du tout parce que c'est déjà 2v2 titan, voilà quoi. Mais en plus c'est bien entendu le titan qui me gêne dedans, et puis en plus 2v2 sur des maps comme ça, je sais pas à quoi qu'en titan ça passe, mais enfin bon. Donc il y aura plein d'autres modes de jeu qui vont en fait les mettre en ligne, et puis ils vont attendre l'avis de la communauté pour savoir s'ils les gardent ou pas, tout simplement. Et est-ce que je vais poser le drapeau de la victoire pour la première manche, je sais pas. Ah, peut-être pas, bref. Et franchement c'est assez bien, en même temps ça me gêne un peu. C'est à dire que j'aime bien parce qu'ils demandent l'avis de la communauté, ils sont à fond, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, parce qu'ils sont à fond proche de la communauté. Et ça c'est quelque chose, une valeur qui manque à beaucoup de jeux, hein. Après pour l'instant c'est mon avis comme ça, je sais pas, ce sera la même chose dans 2 mois, hein, parce que là voilà, c'est la sortie du jeu et tout. Mais pour l'instant franchement je trouve proche de leur communauté, mais en même temps ce que j'aime pas, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu ce Titanfall, c'est un peu une bêta tout simplement pour Titanfall 2, c'est à dire que c'est un gros test pour qu'il sorte un vrai Titanfall après, plus tard, avec plus de contenu, du vrai contenu, puis qu'ils aient de meilleures bases, parce que là ils sont justement en train de tester les modes de jeu, voir si ça plaît ou pas, au lieu de les mettre et puis de demander s'ils veulent qu'on les enlève ou pas, parce qu'au pire nous on s'en fiche qu'il y ait 60 000 modes de jeu, enfin j'exagère bien sûr, après c'est pour devoir faire des scrolls pour trouver le mode de jeu qu'on veut. Ce que je veux dire c'est que ils l'auraient mis dès le début, qu'on aurait aimé ou pas, on aurait juste pas joué, ça aurait pas apporté grand chose, ça change pas grand chose qu'ils l'enlèvent ou pas. Voilà quoi, ils peuvent les laisser dans les playlists, c'est pas comme s'ils avaient pas une masse de modes de jeu, ils peuvent les laisser dans les playlists sincèrement, et tout simplement voir ce que... Alors voilà quoi, ça change rien que les gens y jouent ou ils jouent pas, je pense que ça doit peut-être saturer leur serveur, alors je peux comprendre. Parce que une chose qui est bien, c'est que franchement la connexion sur Titanfall est... pas mal, elle est vraiment bien comparée à un Call of Duty ou même à un Battlefield. Parce que Battlefield parfois il y a de ces trucs quand même. Oups, pardon. Et voilà, donc. Franchement, ça me gêne un peu, mais je me dis. Bon. Je sais pas, j'ai un peu de mal à me prononcer là-dessus, c'est-à-dire que ça me. J'aime pas trop j'aurais préféré qu'ils sortent un vrai jeu dès le début, parce que quand même la base de ce Titanfall, je l'adore, c'est-à-dire des pilotes qui sautent sur des murs, etc. Même les titans, je trouve ça assez cool, tant que c'est pas abusé, je trouve le système d'être un peu foireux, mais j'aime bien le principe en tout cas. Je trouve que le jeu aussi, il a plein, enfin je veux dire les armes sont cool, etc. Elles sont bien équilibrées pour la plupart. Bien entendu c'est un jeu facilité, parce qu'aujourd'hui... tous les jeux Call of Duty, Battlefield, etc. ils cherchent absolument à vendre avant tout, donc c'est plus, et ça je me souviens plus qui en a parlé très récemment, peut-être un youtubeur, je sais plus, mais il y a plus, ah c'était peut-être Monsieur le V12 mais il y a plus ce côté tout je veux dire de compétitivité, c'est-à-dire que vous commencez sur un jeu, vous avez du mal et vous galérez, et puis vous progressez au fur et à mesure, puis vous devenez meilleur et vous battez les gens tout simplement. Parce que là aujourd'hui, je veux dire, tu lances quelqu'un sur BO2, sur Ghost, il joue facile, il joue bien, hein, franchement. Battlefield 4, c'est pas non plus super compliqué. Il y a un noob peut très bien faire un bon score face à des pros. Et tu regardes par exemple Gotaga dans ses Sunday Vlog, bon d'accord, il rape. Mais honnêtement, pour le niveau qu'il a, il devrait pas prendre ce qu'il prend, et il rage pas mal, et c'est pas pour rien.
après c'est mon simple avis. Mais voilà, j'aime bien moi avoir le côté compétition. On regarde Counter-Strike Source, je veux dire. Quand tu essayes le jeu et tout, tu joues face à des gars bons, mais tu peux rien faire. Et il faut en vouloir, faut en vouloir dans le pantalon pour pouvoir y aller et puis gagner, quoi, tout simplement. Et c'est ça que j'aime bien et qui manque au jeu d'aujourd'hui. Titanfall, autant je trouve qu'il est en même temps simple, mais en même temps il est compliqué. Bon, ça fait le gars autiste qui parle, mais ce que je veux dire, c'est que il est simple à jouer comme ça, aller parce qu'il y a des bots, etc. On peut faire des kills, on peut s'amuser, mais en même temps, face à des bons joueurs, c'est quand même difficile d'aussi bien jouer. Moi, j'ai remarqué d'ailleurs ces temps-ci, je pense que je l'avais déjà dit, j'ai dû changer ma façon de jouer parce que dans ce gameplay, peut-être dans ce gameplay, j'ai joué un peu en mode. Je crois que dans ce gameplay, j'ai pas mal joué intelligent. Bon, bref, je m'explique, c'est-à-dire que sur Call of Duty, on se balade en faisant super attention au déplacement, en se mettant à couvert derrière des trucs, etc. Et là, sur Titanfall, personnellement, depuis tout le début du jeu, me balader en mode rien à foutre. Je courais sur les murs, il y a un gars qui me tire dessus, je saute, je le tornade, et puis voilà, parce que les gens avaient pas de shoot ou je sais pas quoi. J'essaie de jouer un minimum de placement bien sûr. C'était juste super facile. Et maintenant le niveau a vraiment augmenté. En plus les gens ont vu tous les petits trucs putes qu'il y a. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué le petit brain pour mettre le drapeau. Les gens jouent plus pute qu'avant. C'est plus compliqué à faire des bons scores, etc. Alors du coup, moi j'ai joué un peu plus intelligemment. J'essaie de mettre la base, je vous le dis, sur Titanfall, c'est de se mettre sur les tops. Mais de me mettre un peu en église, c'est de me cacher un peu, d'essayer de faire des trucs pas de rusher au milieu comme je le faisais avant. Mais enfin bon, c'est je trouve que ça m'a permis de mieux jouer un peu, et puis voilà. En tout cas, moi j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, parce que là on arrive à la fin. J'ai pas envie de me faire tuer par un gars là. Ils peuvent me tirer dessus depuis leur avion. Ils vont réussir à se barrer. Je crois que ça aurait été un peu un fail pour le coup. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce gameplay 31-2 sans compter les kills de l'épilogue. Dites-moi aussi, est-ce que j'ai un gameplay où en fait au début on remarque qu'on joue contre des gros noobs, et puis la deuxième manche je vais jouer comme une bête, tout simplement pour faire gagner l'équipe au niveau des points CTF. Et je me demande si ça vous intéresserait que je poste cette vidéo, tout en parlant bien entendu d'un sujet à propos de Titanfall, de news, etc. Et je vais voir pour peut-être un peu m'organiser avec des catégories de vidéos genre news. Pour l'instant, comme là pour l'instant je parle que de Titanfall, comme les nouveaux, etc. Qu'il y a plein d'infos à faire, j'en profite. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit j'aime, vous abonner et faire passer le mot à vos amis. Simplement, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour moi c'est un peu un nouveau départ sur Titanfall, c'est-à-dire que j'ai perdu presque tous mes abonnés actifs, et en plus en allant sur Titanfall, pas mal de gens bien entendu ne veulent pas regarder parce que c'est Call of Duty. Bref, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez, bon Noël, joyeux anniversaire, et puis je vous souhaite à la prochaine. Jusque là, portez-vous bien.